Bon, salut les mecs, ça nous tombe bien. Bienvenue à l'Alpe d'Huez. Bon, il pleut, mais bon, c'est pas grave, nous on est là quand même. Hein. On a un billet collectif à faire aujourd'hui. Notre mission consiste à récupérer des enfants à l'école de l'Alpe d'Huez à midi et demi. Donc là, il est midi 14, je suis pas trop loin de l'école, donc on va pas tarder à se mettre en route. Pour les amener à cette salle dont j'arrive pas à prononcer le nom, je sais que je suis con, mais voilà. Et donc, il faut le déposer au musée de Grenoble. Donc voilà, parce qu'en fait, on peut pas se garer devant la salle, mais il faut se garer du musée de Grenoble. Donc là, je vais vous proposer de voir avec moi le hall-pied jusqu'à l'école. Ensuite, la caméra sera posée ici. Bon, vu que moi, je filme souvent quand même, on va pas se mentir, l'Alpe d'Huez, je pense que je vais pas beaucoup la filmer, ce sera des plans assez coupés. Et ensuite, arrivé dans le carré Grenoble, on fera toute l'approche jusqu'au musée, tranquillou, tranquillou. Aujourd'hui, on est en Bova FHD. On a donc le 2110 qui a un moteur de 370 chevaux, moteur DAF, et qui a l'avantage d'être ce que j'appelle en open pipe, c'est-à-dire que en fait, on a le pot d'échappement qui est plus ou moins séparé, et en fait, on a un son relativement beau. Donc, je voudrais en profiter à ce moment-là. Je pense qu'en ville, dans les rues, ça va être super sympa. Donc on va être en place devant l'école et après on verra pour mettre la caméra devant comme prévu. Je sais pas si vous entendez le son d'ici. C'est pas mal. Pas dégueu du tout d'ailleurs, moi j'aime beaucoup. C'est aussi pour ça que j'aime les Bova. Arrête, tu me diras, oui, mais Bova c'est que la carrosserie, c'est pas le moteur c'est DAF. Oui, j'aime aussi les DAF, hein, donc voilà. Hein. Ainsi que les DAF Punk, c'était la blague de la journée, abonne-toi. Voilà, je suis passé par là parce que là il y a un petit tunnel. Bon, il est petit, hein, il doit faire 100 mètres le machin, mais malgré tout, pour écouter le son du moteur, ça va pas être trop mal, je pense. Oui monsieur, j'ai une GoPro sur la tête mais j'assume. Ah voilà. L'idée c'est de sortir la même excuse que les motards, c'est à dire que oui mon pot il fait du bruit, mais c'est normal, c'est pour que les gens ils m'entendent arriver, voilà, parce que j'ai un gros véhicule, ça peut être dangereux, donc du coup voilà, au moins grâce à ça j'ai un joli son et les gens savent que j'approche. Bon, ça vaut pas une ligne complète, voilà, là c'est un trou dans le pot d'échappement, mais bon voilà. Bon, bientôt je sors une vidéo spéciale pour vous parler un peu de mes projets donc d'achat d'un véhicule, hein, c'est toujours d'actualité, donc on va parler un petit peu des notamment des dons qui ont été faits, savoir comment est-ce que vous pouvez récupérer donc vos contreparties. Voilà, mais on va également parler du choix du véhicule parce qu'en fait j'ai des contacts et il se pourrait que je puisse récupérer un Bova comme celui-là avec moteur Mercedes V8 en version grand tourisme.
Et je me dis que pour me déplacer, ça peut être sympa. En plus, c'est un ancien, il est 2001, donc il est assez ancien. Ça commence à être un peu collector. Donc je me tâte. Donc on va en parler dans une vidéo spéciale. Bien évidemment, comme à chaque fois, je ne force pas la main. Hein. Mon choix va dépendre du vôtre, bien évidemment. On va vraiment t'en voulu. Oui! Les gens regardent bizarre. Mais le mec, il a une GoPro sur la tête, il est trop con. Tout à l'heure, au dépôt, il y avait mon responsable, il est arrivé. Il m'a vu le moment sur la tronche, il m'a regardé en mode mais qu'est-ce que tu fous au con comme ça? Ah, donc là, le palais des sports ainsi que le cinéma de l'Alpe d'Huez, le magnifique rond-point Tomorrowland, et nous on va descendre à gauche direction l'école. Donc là, faut pas hésiter à prendre large et doucement parce que vu qu'on n'a pas de visu sur ce qui arrive par ici, il y a un passage piéton. Voilà, l'école est juste là, on va être en place. Et normalement, il y a un deuxième car aussi qui doit venir. J'espère que je suis le premier, parce que j'aime pas être derrière. Oui, je suis le premier. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je prends large. Oui, je prends large, et alors? Merde. C'est le mec qui s'enjaille dans son car tout seul. Voilà, donc là, il y a une voie bus qui est juste là. J'adore le son du moteur, les gars. Maintenant, ce qui m'inquiète, c'est que quoi, la peur va m'en partir, il est midi 20. C'est pas mal. Allez, go. On va éteindre tout ça parce que du coup, on va pas rester moteur allumé. Bon, ça, je peux te dire, c'est des LED, ça consomme pas. Tac, 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 ventilation arrêtée. Moteur arrêté. Tac. Bon, alors, comme d'habitude, le billet collectif. Donc là, c'est un billet qui est en deux parties, les gars. Donc, partie aller, la descente, et partie retour, la montée. Donc, ça veut dire qu'on peut déjà conclure ici le tracé all pied. Donc là, on est à 423,517. C'est-à-dire qu'on a parcouru 16 km. Oui, je sais compter, abonne-toi là aussi, tu peux t'abonner, hein, parce que je sais compter, donc du coup c'est important. Donc voilà, donc heure de prise en charge midi et demi, les 20, 10 minutes d'avance, c'est bien pour un départ à 45, c'est parfait, parfait. Ok, tac, tac, tac. Bon, vu que c'est un petit peu la crise nette de la batterie, du coup je vais couper la caméra, l'installer ici, et dès que les clients vont commencer à arriver, je redémarrerai la vidéo. Parce que sinon, je sens que je vais jamais arriver à finir chez Grenoble, et j'avoue que c'est un peu dommage, parce que je pense qu'avec le son du moteur dans Grenoble, ça va juste être démentiel. Allez, à de suite! Toda la noche no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda. Y más, ay, ay. A través de la gran oscuridad. Hasta que me convierta en rayos. Y más, ay, ay. A través de la gran oscuridad. Y más, ay, ay.
Thank you.
vous attendez pas là, j'imagine. Alors, je pense que ça va être compliqué du coup. On se retrouve. Ça finit à 15h15 normalement. 15h15 mais là, je pense qu'on est un petit peu à la bourre. Ouais, là, il est 23 déjà. Ouais, voilà, on va arriver à 15 normalement. Ouais, non, du coup. A few moments later. Là, on est au musée de Grenoble. C'est un endroit, c'est un peu galère pour stationner. Normalement, il faut stationner en face, juste là. Et le problème, c'est que c'est plein, comme à chaque fois. De toute façon, en général, non, voilà. Là, je suis sur des places de voiture. Le truc, c'est qu'en fait, je dois récupérer les clients dans 45 minutes. Et je vous cache pas que j'ai un petit peu la flemme d'aller faire un tour dans Grenoble, le bordel que c'est. Donc, je vais tenter le tout pour le tout. Hein. Je vais rester ici, avec les warnings, évidemment. Si jamais il y a un mec qui veut sortir avec sa voiture, et ben je reculerai ou j'avancerai pour le laisser passer avec sa voiture. Donc voilà, et si jamais il y a la marée chaussée qui me fout dehors, et ben on sera bon pour faire un tour. L'avantage c'est comme ça on fera un haul pied un peu en mode personne pour écouter un peu le son du moteur. Donc voilà les gars. Bon bah forcément on n'a pas pu rester en place. Je suis resté 5 minutes, attends j'en rien. Ce qui en soi est pas mal, alors laisse-moi passer s'il te plaît toi. Ouais, merci. Ah, j'adore le son du moteur les mecs, c'est excellent. Bon alors où est-ce qu'on va aller s'caler du coup? On va aller place de Verdun, on va aller place de Verdun, on va faire un peu de touriste, c'est bien ça, c'est une très belle place historique, attention pour Grenoble. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller place de Verdun et pour revenir au musée, je vais passer par là, mais par là je crois qu'on n'a pas accès à la rue qui est là. Et par là on peut passer, mais on sera à contresens. Donc je sais pas trop comment je vais me démerder, mais je vais me démerder, on va y arriver. Hein. Pardon, désolé. J'ai mangé du boudin ce midi, ça intéresse du monde. Pas rien qui veut s'abonner. D'ailleurs tiens le kilométrage c'était 583, faudra que je le marque parce que du coup là on n'est plus en commercial, on est en roll pied donc 583. Putain je suis dégoûté, je suis resté 3 minutes les mecs. Pour aller à place des Verdins, c'est une rue qui est assez étroite. Je sais pas si ça passe toujours. À l'époque, j'y passais, hein, mais après, voilà, ils font tellement de travaux en ce moment que je sais pas si ça passe toujours. Bon, on verra bien, de toute façon. Hein. On va tenter, comme on dit, à la bonne franquette. Hein. Côté, je suis quand même content qu'il m'ait, que j'ai pas pu rester sur place parce que comme ça au moins je peux faire une vidéo en mode POV caméra point of view. Yes. C'est vrai que le son est quand même sympa hein. Punaise ou putain au choix mais waouh ça déchire. Voilà, donc la place de Verdun est juste là-bas du coup en fait. Hein. C'était là où j'ai mon terminus à l'époque où je faisais Transdev sur la ligne 15. Le problème c'est que je sais pas si on peut encore y aller. Je sais pas si vous voyez cet immeuble qui est là. En fait il y a trois immeubles similaires, c'est ce qu'on appelle les trois tours. Pour les Grenoblois c'est un peu leur grande fierté, c'est un peu le, on va dire le... Le building local, c'est un peu la tour Montparnasse grenobloise. Moi perso, je trouve ça juste immonde. Voilà, et moi ça me fait marrer parce que j'ai des potes. Bon, après moi aussi, hein, je suis né ici, hein, donc voilà, mais
j'ai des potes qui eux ils sont là en mode ah ouais tu sais nous on a quand même 3 tours hein, tu sais en mode wow, fierté tu vois, le machin il fait quoi, il doit y avoir 15 étages, j'ai les mecs ils se branlent dessus quoi, tu te dis putain sérieusement quoi. Allez on arrive dans la partie sympathique. Ah j'adore le son du moteur, putain de merde. Et là tu vois, là je suis à fond dans mon truc, mais autant je me dis ce soir je suis arrivé chez moi, je vais lancer Vegas Pro, commencer le montage, et sur la GoPro on va rien entendre. Bon, c'est vrai que c'était un peu étroit. Bon ouais, en fait c'est pas étroit en fait. Bon en fait quand je passais par là à l'époque si vous voulez, c'est quand j'ai commencé à avoir mon permis de conduire. Donc en 2012-2013. Et effectivement. C'est vrai que bah ça me paraissait petit, en fait non ça passe large. Voici la place de Verdun, attention, musique qui monte. Et la place que je vise, elle est libre. Qu'est-ce qu'il fait ? Ça, c'est... Oh, merci, c'est gentil. La place que je veux est libre. Ah, c'est bon ça. Devant vous, vous voyez, il y a un 6020, c'est un car de chez nous, ça. Enfin, c'est un bus, pardon, parce que du coup, c'est un Crossway LE au gaz, plancher plat, sans ceinture, en urbain. C'est la première fois que j'en vois en service, du coup. La classe. Il est toujours aussi long, ce feu, ici. Hein. Punaise. Hein. Mais elle a quand même de la gueule, comme ça, en plancher plat, le machin, n'empêche. Hein. Oui, vas-y, fonce, connard. Alors normalement c'est là qu'on pouvait se garer, je sais pas si on peut encore se garer d'ailleurs, tiens on va je vais voir, on va regarder. Ah, il y a toujours des zébras hein. On est d'accord, c'est un zébra qui est par terre. Hein. Ouais, il y a toujours une place hein. Et nous voilà arrivés à la place de Verdun, une autre belle coupure magnifique et majestueuse. Ça fait quand même du bien quand... Ta gueule, ouais, t'as déjà trouvé toujours la même chose, mais tiens, c'est chiant. Alors, du coup... J'ai dit que on était arrivé en charge 423... 583, ce qui nous fait un total putain je me sens con des fois moi. Ça fait 70, ça fait 77, 78, 79, 7, 8, 9, 10, c'est ça, donc ça fait donc 8, 9, 90. Oh et ben voilà les gars, c'est la fin de ce service, la fin de cette vidéo. Moi de mon côté, je vais m'atteler à ma tâche, c'est-à-dire de trouver un itinéraire pour revenir dans le bon sens, on va dire, au niveau du musée. Voilà, voilà, voilà. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Allez, salut les potos!
Bah voilà les gars, c'était la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Bon bah du coup on n'a pas pu rester, hein. Ça c'était plus ou moins à parier, hein. Donc tant pis, voilà. Mais bon, ça a valu le détour, hein. C'était cool, hein. Donc voilà. Et bah écoutez, à très vite pour la prochaine vidéo qui sortira dans quelques jours. Et voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Bon, on a réussi à rester sur place, ça c'est cool, putain, bonne nouvelle. Bon, dommage pour le personne, mais bon, c'est pas grave. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un commentaire comme d'hab, un petit pouce bleu, abonnez-vous, mettez des cœurs, des smileys qui rigolent et tout le bazar, hein, je compte sur vous. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo qui sortira bientôt. Allez, à plus les gars.